nouvelle Opel Astra, design entièrement revu, nouvelle motorisation hybride rechargeable avec pas moins de 70 km en 100% électrique. Est-ce que ça va lui suffire pour s'imposer dans le segment ultra concurrentiel des compacts? Je vais vérifier ça en fin de vidéo en l'opposant à ses concurrentes. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier, puis je donnerai mon avis en fin de vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé. Pareil sur mon compte Insta et mon compte TikTok, je diffuse que du contenu exclusif, donc abonnez-vous à mes comptes Insta et TikTok, le vendeur automobile. Avant de commencer à vous détailler cette voiture, je voulais partager avec vous une offre valable pour les particuliers jusqu'au 28 février 2023. Donc vous n'avez que quelques semaines pour souscrire à l'offre. Pour une location longue durée sur 48 mois avec 40 000 km, un premier loyer majoré de 5 000 euros sous condition de reprise. Une Opel Astra PHEV, donc hybride rechargeable de 180 chevaux en finition édition, sort à seulement 329 euros par mois. Et si vous souhaitez la version que je vous présente dans cette vidéo qui est tout équipée, ce sera la finition GS avec le pack Ultimate, ce sera seulement 418 euros par mois. Et en plus, j'ai une petite surprise spécialement pour vous, que je vous ai négocié. 1300 euros d'équipement offert pour les 200 premières personnes qui rempliront le formulaire. Ils recevront un code promo, une fois qu'ils auront rempli le formulaire, qui leur permettra d'avoir ces 1300 euros d'équipement gratuit. Offert, c'est cadeau, les amis, donc profitez-en. Si vous souhaitez avoir des infos complémentaires sur la voiture, l'essayez, je vous conseille vraiment de l'essayer. Hein. Vous allez comprendre pourquoi dans la partie de l'essai routier, ou tout simplement l'acheter. Pour souscrire à cette offre en location longue durée, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le formulaire correctement. Bon, il faudrait peut-être que j'essaye cette voiture maintenant. Allez, c'est parti. Sur les 5 premières générations, l'Opel Astra, depuis 1991, elle s'est vendue à pas moins de 15 millions d'unités à travers le monde. Alors, cette face avant, je vous l'ai détaillée. Déjà sur le toit, on a un toit noir carbone. Alors, c'est pas de la fibre de carbone, hein, c'est juste le nom de la couleur du toit. Vous pouvez aussi l'avoir en couleur carrosserie. Il y a l'Intellicam, qui est la caméra qui est en haut du pare-brise, qui comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux adaptatifs, le freinage d'urgence et aussi l'aide au maintien dans la voie. Il y a un pare-brise qui est chauffant sur notre modèle d'essai. Ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout la ligne centrale du capot moteur avec ses galbes aux extrémités qui sont assez marquées. C'est assez rare, hein, de voir des lignes centrales aussi marquées sur des capots moteurs. Je trouve que ça donne à la face avant du véhicule un côté très expressif. Il y a une véritable évolution du design, hein, par rapport à la précédente génération. Alors moi, autant cette génération, je la trouve pour le coup assez marquée, avec une véritable identité, autant la précédente génération de l'Astra, j'étais vraiment pas fan à titre personnel. Mais là, on sent vraiment une montée en gamme du véhicule, tant sur, bien sûr, vous allez voir sur l'équipement, mais aussi sur la partie visuelle. Alors on a l'Opel Visor, ça comprend en fait l'emblème Blitz Opel, cette partie en noir laqué avec ses lamelles horizontales et aussi les projecteurs qui sont à LED, hein, les Intellilux LED Pixel Light avec pas moins de 168 segments. Une entrée d'air centrale qui est assez large en noir laqué. On a ces appendices qui sont eux aussi en noir laqué avec une barrette verticale avec les anti-brouillards qui sont assez bien intégrés et puis une jupe de bas de bouclier qui est en couleur carrosserie. Les tailles de jantes varient de 16 à 18 pouces. Là, on est sur des jantes de 18 pouces pentagones qui sont diamantées, bicolores, facturées 400 euros. On a des arches de roues, jupes latérales qui sont peintes en couleur carrosserie. Vous avez remarqué, on a le logo Ultimate juste ici, car cette voiture est équipée du pack Ultimate qui est facturé 2700 euros. Ceinture de caisse qui est juste au-dessus des poignées de porte, mais il y a un espace qui est assez marqué. Ça surélève visuellement le centre de gravité de la voiture. Là, on est sur un jaune culte sur la teinte de carrosserie. Avec ce toit noir, on a l'impression que le toit flotte en fait sur la carrosserie. Mais je trouve que ça dynamise beaucoup les lignes de la voiture, ça lui va bien. Coque de rétroviseur qui sont en noir brillant avec répétiteur de clignotant. La caméra juste en dessous qui vous permettra d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Les rétroviseurs, ils sont électriques, chauffants, rabattables électriquement avec une fonction de mémorisation. On a l'encerclement sur la partie supérieure des vitres qui est en noir. Et sur la partie basse, l'élément est chromé. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. Réservoir de 40 litres, un empattement de 2,68 m, c'est plus 13 mm par rapport à l'ancienne génération. C'est vrai que sur la partie latérale, on retrouve ce design assez ciselé, assez agressif et expressif de la face avant. Et vous allez voir que ça se récupère un petit peu sur la partie arrière du véhicule. En tout cas, il y a une homogénéité dans le dessin qui est assez réussie. Antenne requin en noir laqué, tout comme le toit, et ce béquet arrière avec une partie centrale verticale qui intègre le troisième feu stop. Alors dommage qu'ils aient pas intégré l'essuie-glace arrière juste en dessous,
de ce béquet, ça aurait été plus harmonieux dans les lignes. On retrouve ce noir laqué aussi sur ses appendices latéraux sur la lunette arrière. Les feux arrière sont full LED, ils sont assez effilés en forme d'aile, ça lui va bien. Ça apporte de la douceur, je trouve, au design. Sur la partie arrière, on a des catadioptres verticaux. Quasi l'ensemble du bouclier arrière est peint en couleur carrosserie, ça c'est bien vu. On a le diffuseur qui est en plastique noir avec cette large baguette horizontale chromée. Et puis juste ici au centre, le feu arrière anti-brouillard. Sachez que vous pourrez en option pour 775€ opter pour un attache-remorque amovible. Dans le coffre, sachez qu'il n'y a pas de haillon motorisé hein, sur les Opel Astra. Ce sera uniquement sur les versions break, les Astra Sport Tourer. 352 litres d'espace dans cette configuration. Et si vous optez pour les versions essence ou diesel, ce sera 422 litres, donc 70 litres de plus. La banquette arrière est rabattable. Et une fois rabattue, vous aurez 1268 litres d'espace à l'arrière du véhicule. Alors il y a un petit éclairage sur la partie gauche pour éclairer le contenant de votre coffre. Les câbles de recharge sont présents. Vous avez un espace hein, sous le plancher du coffre qui vous permettra d'accéder à votre triangle de signalisation et aussi au crochet de remorquage du véhicule. Longueur 4,37 m, largeur 1,83 m en rétroviseur et hauteur 1,47 m. Et sur son poids, 1603 kg à vide sur la balance. Sous le capot, alors sachez qu'il y a 5 motorisations proposées. Il y a une motorisation 100% électrique qui va arriver prochainement. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez 2 motorisations essence, une diesel et 2 motorisations PHEV hybride rechargeable. Là, on est sur le PHEV 180 chevaux. Donc, c'est un moteur essence 1 litis avec un turbo qui développe 150 chevaux. Et il y a un moteur électrique pour une puissance combinée de 180 chevaux pour 360 Nm de couple. Transmission aux roues avant avec une boîte automatique à 8 rapports. Des performances qui sont bonnes, 0 à 100 km/h 7 secondes 6, vitesse maximum 225 km/h et 135 km/h en 100% électrique. Et consommation annoncée par le constructeur, vous allez encore rigoler, 1 litre au 100 km. Donc vous avez un réservoir de 40 litres, je ne vais pas vous faire la blague que vous pourrez faire 4000 km avec un plein. Dans les faits, si vous ne rechargez pas votre batterie du moteur électrique, vous allez faire entre 6 et 7 litres au 100 km, sauf si vous jouez vraiment le jeu. Hein. Là, il est clair que les gens qui vont recharger constamment les batteries de leur moteur électrique vont arriver à des consommations de carburant qui vont être extrêmement faibles. Hein. Avis aux amateurs de consommation, hybride rechargeable, il faut jouer le jeu, sinon on n'achète pas ça. Pour recharger les batteries du moteur électrique, ce sera sur la trappe de gauche. Capacité de la batterie 12,4 kWh. Autonomie annoncée par le constructeur en WLTP, 66 km. On est vraiment sur le haut de la fourchette. Hein. Si je la compare à ses concurrentes, qui en moyenne proposent 40 voire 50 km au mieux, mais clairement quasi 70 km d'autonomie en 100% électrique, ça permet d'envisager des trajets assez longs sans dépenser une seule goutte d'essence. Ça, c'est plutôt bien vu par Opel. Pour recharger les batteries du moteur électrique, sur une prise domestique, ça vous prendra 7 heures. Et sur une wallbox à 22 kW, environ 2 heures, ce qui est plutôt rapide. La nouvelle gamme Astra s'affiche à partir de 28 100€. Et cette version PHEV, dans cette finition GS, s'affiche à 47 850€. On frôle les 50 000€ pour une Opel Astra en 2023, les amis. Bon, pour vous rassurer, quand même, vous avez une voiture qui est extrêmement bien équipée avec un moteur qui marche hein, pour le coup, mais surtout pas de malus écologique puisqu'elle n'émet que 23 grammes de CO2 par kilomètre. Alors je sais que les prix, j'en parle souvent dans mes vidéos d'essai forcément, et vous me faites beaucoup de commentaires dessus. Aujourd'hui les voitures ont des prix qui sont relativement élevés quand on sait qu'une Opel Astra bien équipée c'est quasi 50 000€, mais c'est aussi le cas hein, chez ses concurrentes qui sont même plus chères. Et c'est vrai qu'il y a l'avènement de la location longue durée, des financements qui permettent de ne pas immobiliser presque 50 000€ pour sa voiture neuve. Et c'est vrai que c'est une solution qui est envisagée par beaucoup de foyers en France, mais aussi dans le reste du monde. Ça vous permet d'avoir une bien meilleure maîtrise de vos dépenses. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Une sellerie mixte cuir Alcantara avec des surpiqûres contrastées de couleur claire. À l'arrière, les sièges sont confortables, clairement. On est aussi bien sur la partie de l'assise que sur le dossier du véhicule. Seuls les appuie-têtes sont un petit peu fermes, il faut le reconnaître. Accoudoir central avec deux portes gobelets. On a ici une trappe à ski, la banquette arrière qui est rabattable en 60-40.
Le tunnel central est peu présent, ça c'est plutôt une bonne chose. Et bien sûr, la place centrale bénéficie d'un confort qui est un petit peu moins significatif que sur la droite et la gauche. Ça c'est normal dans toutes les compactes. Bus d'aération orientable, vous avez une prise USB-C avec un petit rangement qui est juste ici, des poches aumônières. Le ciel de toit qui est anthracite avec un toit ouvrant panoramique apporte un puits de lumière assez conséquent. Le toit ouvrant panoramique, il est inclus dans le pack Ultimate, hein, sinon ce sera 1000 euros à débourser. On a une place pour les genoux et les personnes de grande taille. Moi, j'ai réglé le siège avant pour ma taille, donc est suffisante, hein, mais on reste dans une compacte. Hein, donc là, pas de miracle juste ici. La bonne chose, c'est qu'au niveau de la garde au toit, moi, je fais 1m88, hein, je vous le rappelle. Ben, regardez, ça passe sans aucun souci. Il y a juste mes cheveux qui touchent un petit peu le ciel de toit. Mais en tout cas, je peux m'asseoir normalement et de manière droite à l'arrière du véhicule sur les contreportes. On retrouve du plastique dur sur la partie haute, la partie centrale, la partie basse de la contreporte. On a quand même des inserts en alcantara et en cuir, juste ici avec ces surpiqûres contrastées de couleur claire. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un travail phénoménal réalisé sur le dessin des contreportes, mais si je la compare à ses concurrentes, c'est vraiment pas une catégorie de voiture dans laquelle les contreportes arrière sont extrêmement travaillées. Donc pour le coup là, elle est clairement dans la fourchette moyenne de sa catégorie. Bon, un constat un peu plus flatteur sur les contreportes à l'avant, puisqu'on a la partie supérieure de la contreporte qui est en plastique moussé avec une finition qui est assez jolie. Et puis on retrouve bien sûr l'alcantara et le cuir avec les surpiqûres contrastées. En système audio de série 6 haut-parleurs, et sur notre modèle d'essai, on a un système Hi-Fi Opel qui est à 8 haut-parleurs. Les seuils de porte sont en aluminium badgé Ultimate. Lorsque vous optez pour le pack Ultimate, on a un pédalier sport en aluminium. Sur les sièges, alors ils sont certifiés AGR, hein. Donc vous avez un maintien et un confort qui sont optimales. Le siège côté conducteur, il est réglable sur 10 positions et coussin d'assises réglable en longueur et soutien lombaire réglable électriquement sur 4 positions. Ils sont chauffants, ventilés et massants sur notre modèle d'essai. Hein, rendez-vous compte, hein. Vous avez quand même une voiture qui est suréquipée. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le maintien est assez marqué, notamment sur l'assise. Donc lorsque vous haussez le rythme, on a un excellent maintien de corps. J'ai bien aimé le dossier du siège et je trouve très enveloppant. Et on retrouve des appuis-têtes qui sont plus confortables que sur l'arrière du véhicule. Donc là, les passagers avant apprécieront rouler des centaines de kilomètres au volant de cette nouvelle Opel Astra. Volant à trois branches qui est en cuir premium avec les palettes, bien sûr, pour changer les rapports de votre boîte de vitesse. Alors le design du volant. Un petit méplat en bas avec des surpiqûres croisées de couleurs contrastées à l'intérieur de la jante du volant. J'aime bien en fait le dessin extérieur avec les touches multifonctions. J'aime un peu moins la partie centrale qui est un petit peu trop imposante selon moi. Par contre, il y a une chose que je trouve bien faite, c'est toutes ces finitions sur la partie latérale du volant avec ce cuir perforé. Ça ajoute un petit peu d'exclusivité à la voiture. Lorsqu'on rentre dedans, c'est immédiat comme sensation. Sachez qu'il est chauffant, le volant, sur le modèle que je vous présente. Sur les commandes de droite, vous aurez accès à la navigation dans l'écran d'instrumentation, le réglage du volume, l'activation de la commande vocale, et vous pouvez aussi répondre à vos appels téléphoniques avec cette commande. À gauche, ce sera pour les aides à la conduite. L'aide au maintien dans la voie, le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse. On a un affichage tâteau auto de définition avec projection sur le pare-brise qui est inclus dans le pack Ultimate. C'est un pack qui inclut énormément d'équipements, comme vous pouvez le constater, puisque deux séries dans cette version PHEV, vous avez l'avertisseur de changement de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage automatique d'urgence et le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction stop and go. Et sachez que dans le pack Ultimate, vous avez le pack IntelliDrive 1.0. Donc là, vous avez en plus des aides que je viens de vous citer, l'alerte de circulation transversale arrière, la détection d'angle mort longue portée et aussi l'assistance au maintien dans la voie. La lisibilité de l'écran d'instrumentation est très bonne. Je la trouve un petit peu simpliste. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le fait que justement, il n'y a pas trop de choses sur l'écran d'instrumentation et on arrive à s'y retrouver au bout de quelques kilomètres seulement. Et ça, c'est une bonne chose. Écran d'infodivertissement tactile de 10 pouces. C'est le pur panel pro sur notre modèle d'essai. Il est intégré dans une dalle en verre qui combine les deux écrans. Vous avez la navigation connectée qui est prédictive et aussi le trafic en temps réel. Ça, c'est plutôt bien. Et on a une très bonne réactivité de l'écran. Ça, c'est aussi une bonne chose. Je m'en plains souvent dans les voitures parce que je vous assure, il y a certaines de ces concurrentes dans lesquelles
Lorsque vous appuyez sur la dalle numérique, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes obligé d'appuyer plusieurs fois jusqu'au moment où vous allez accéder au menu voulu. Et là, vous pouvez le constater par vous-même. On arrive à naviguer hyper rapidement. Donc ça, c'est plutôt bien. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série. Vous avez un éclairage d'ambiance 8 couleurs à l'avant. Caméra 360 degrés hein, sur notre modèle d'essai. Donc vous avez la vue aérienne hein, grâce aux caméras à l'arrière, à l'avant et aussi sous les rétroviseurs du véhicule. Climatisation automatique bizone. Vous avez les boutons d'accès rapide à l'infodivertissement juste en dessous. On a ici une buse d'aération centrale très large. Ça, c'est assez marrant, on le voit rarement. On a souvent des buses d'aération qui font la moitié de cette largeur. Et là, elle prend quasi toute la largeur de l'écran d'infodivertissement qui est juste au-dessus. Et là, vous avez un rangement complémentaire avec une prise 12 volts, la possibilité de recharger par induction votre portable, et vous avez aussi deux prises USB. Ici, on a un rangement avec deux portes gobelets qui est présent. Le sélecteur de vitesse. Alors ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, je me plains souvent du design des sélecteurs de vitesse. Bah là, au moins, ils ont fait quelque chose de simple, minimaliste. Vous avez la petite molette, vous devez appuyer sur le frein. Et là, vous allez choisir le mode que vous allez prendre. Donc marche avant, marche arrière, le mode B. Je vais y revenir en détail dans la partie de l'essai routier. La sélection des modes de conduite est présente ici. Frein de parking électrique. Et ici, vous avez un accoudoir central très peu profond. Mais au vu des rangements que vous avez dans le véhicule, ça, c'est pas très gênant. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de son châssis et de ses suspensions. Alors sachez que c'est la troisième génération de la plateforme multi-énergie EMP2 hein, qui équipe cette nouvelle Opel Astra. Donc ça lui permet d'avoir des motorisations diesel, essence, hybride rechargeable, mais aussi 100% électrique qui va arriver d'ici quelques mois au milieu de l'année 2023. Au niveau des suspensions, on a une architecture assez classique hein, puisqu'on a des jambes de force McPherson sur l'avant, barre de torsion sur l'arrière. Il faut savoir que la rigidité en torsion est supérieure de 14% par rapport à la précédente génération de l'Opel Astra. Et même si le tarage des suspensions est orienté vers la stabilité, il est autobahn proof selon Opel, c'est-à-dire à l'épreuve de l'autoroute, il faut reconnaître que même sur des chaussées dégradées, la voiture est assez confortable. Alors deux choses expliquent ce confort. La première, c'est la taille des jantes. On est sur des jantes de 18 pouces seulement. Alors je dis ça parce que certaines de ses concurrentes proposent des jantes de 19, voire 20 pouces dans certains cas. Et forcément, ça altère le confort. Et surtout, ça augmente les remontées de mauvaises informations dans la direction, mais aussi au niveau des suspensions du véhicule. Et deuxième élément, ce sont les sièges AGR qui apportent beaucoup de confort. Alors ça, c'est le cas sur les places avant, c'est pas le cas sur les places arrière du véhicule. Mais en tout cas, lorsque vous êtes assis à l'avant, entre la taille des jantes qui est assez contenue et ces sièges AGR qui ont un excellent soutien pour votre dos, bah, on ressent que très peu de mauvaises informations dans le dos. Et on a cette stabilité, cette précision de conduite qui est présente. Donc je trouve qu'il y a un bon compromis qui a été trouvé par Opel, et je pense que ça a été clairement volontaire de leur part de ne pas mettre de trop grosses jantes et surtout d'installer des sièges confortables à l'avant. Trois modes de conduite, donc vous avez le mode de conduite sport, hybride et électrique. Ils vont agir sur la direction, la réponse de l'accélérateur, et en mode sport, vous aurez via un active sound, un son moteur qui va être amplifié. Alors, bon, bien sûr, les modes que vous allez le plus utiliser, ça va être le mode électrique et hybride. Mais le mode sport, alors pour le coup, c'est plutôt rare sur une voiture compacte hybride rechargeable, bah il est assez marqué. Et lorsque vous mettez en mode sport, la voiture a de très bonnes réactions. On en vient même à accélérer le rythme et à prendre du plaisir au volant de cette Opel Astra. Alors, c'est un bon châssis, hein, bien sûr. Moi, je trouve d'ailleurs que le châssis est bien adapté au caractère du moteur et à la philosophie de la voiture. On en a assez, mais on n'en a pas trop non plus. Et c'est amplement suffisant, moi je trouve, pour cette typologie de voiture. Mais surtout, vous serez étonné des passages en courbe, de la réactivité, de l'agilité de la voiture dans des courbes, des zones sinueuses. Moi, j'ai pris du plaisir à la conduire, alors que sur le papier, 180 chevaux, clairement, je me suis dit qu'avec une tonne 6 sur la balance, ça n'allait pas être incroyable. Alors, c'est pas non plus une Porsche 911, mais je vous assure qu'on s'amuse à son volant, surtout avec le mode sport.
Sur l'autonomie, il faudra bien sûr rouler en hybride si vous voulez avoir une consommation de carburant faible ou même en 100% électrique. Et vous avez un mode B, un mode récupération d'énergie qui est activable juste ici, à côté du levier de vitesse. Et ça, ça vous permettra d'amplifier la récupération d'énergie et ainsi d'augmenter l'autonomie du moteur électrique. Au niveau de la direction, elle est assistée bien sûr, asservie à la vitesse. Il y a un diamètre de braquage de seulement 10,5 mètres. Et ça, je vous assure, on le ressent tout de suite. Moi, lors des premiers manœuvres que j'ai pu faire avec la voiture, on sent que la voiture, elle braque très très bien. C'est marrant parce que j'étais avec un SUV d'une marque allemande il y a 3 jours, qui avait les roues arrière directrices. Et malgré ça, l'Opel Astra tournait dans un espace plus petit que ce SUV qui était équipé des roues arrière directrices, c'est vous dire. 10,5 mètres de diamètre de braquage, regardez sur internet chez ses concurrentes, c'est vraiment hyper bien placé et surtout c'est adapté à ce genre de voiture. On a envie de pouvoir faire des manœuvres dans des espaces étroits sans avoir à faire 3 marches arrière et 3 marches avant. Donc là, elle marque des points. Souvent sur les hybrides rechargeables, il y a un problème, c'est qu'il est difficile de garder le moteur électrique en charge avec de l'autonomie en 100% électrique. Alors de plus en plus de voitures parmi les compacts hybrides rechargeables commencent à proposer ça ou l'ont déjà de série. Dans l'Opel Astra, ça s'appelle le e-Save. Ça vous permet sur 3 niveaux de choisir ce que vous voulez garder comme autonomie sur votre moteur électrique. Donc vous avez le choix entre 10 km, 20 km ou sinon le maximum. Et ça, c'est bien vu. Alors certaines de ses concurrentes proposent ce système, par contre il n'est pas aussi précis, vous ne pouvez pas choisir le nombre de kilomètres que vous souhaitez garder. Dans les faits, l'autonomie de l'hybride rechargeable, elle est annoncée à 66 km, vous ferez sans aucun souci une 50aine de kilomètres en roulant normalement. Moi c'est ce que j'ai constaté pendant mon essai. Ça c'est plutôt rassurant aussi, hein. Les premières générations d'hybrides rechargeables faisaient péniblement 30 km. Là vous ferez réellement 50 km, voire peut-être plus si vous avez le pied léger. Au niveau de l'insonorisation, bonne surprise. Déjà les vitres avant sont feuilletées, ça participe à cette bonne insonorisation. Mais surtout il n'y a pas de bruit d'air ou de mauvais bruit de roulement. Souvent, dans les voitures de dernière génération, pour lesquelles les designers ont privilégié les lignes de la voiture au détriment de l'aérodynamique, vous avez des bruits d'air sur les montants A de la voiture. Là, ce n'est pas le cas. Même à haute vitesse sur autoroute, il y a une insonorisation qui est vraiment excellente. Il faudra vraiment appuyer à fond sur l'accélérateur en mode sport pour avoir un bruit du moteur omniprésent dans l'habitacle, mais sinon à un rythme stabilisé ou même à un rythme un peu soutenu, l'insonorisation est vraiment sans défaut. Seul petit bémol, je dirais, au niveau des bruits, c'est le bruit du clignotant. Écoutez, je le trouve très fort. J'étais dans une 308 il y a quelques jours et ça m'avait pas marqué comme ça. Bon, c'est le seul petit défaut et bien sûr, vous n'allez pas pouvoir régler le niveau sonore du clignotant dans votre Opel Astra. Petit détail. Au niveau du freinage, il est assez mordant, même très mordant, j'ai trouvé. Je m'attendais pas sur une voiture à 1,6 tonne à vide, bien sûr à cause du poids des batteries du moteur électrique, à avoir un freinage aussi efficace, mais c'est le cas. Vous avez des distances de freinage très courtes, il est mordant. Au niveau de ses performances, 0 à 100 km/h, 7 secondes 6, pour le coup, le moteur, lui, est très réactif. Ça, on ne peut pas lui enlever. Surtout en mode sport, là je suis en mode hybride, je vais vous faire une petite démonstration du mode sport. Les reprises aussi sont assez vigoureuses, ça c'est plaisant. Elle a un caractère dynamique, pas sportif mais dynamique, qui est assez prononcé. Moi c'est ce que j'ai bien aimé dans cette compacte hybride rechargeable. Souvent chez certaines de ses concurrentes, on peut constater un comportement routier un petit peu bateau, un petit peu lourd, qui est pas très plaisant quand on aime un peu hausser le rythme de temps en temps. Là pour le coup, l'Opel Astra, elle apporte ce petit grain de folie supplémentaire et qui nous amène souvent et qui m'a amené assez souvent pendant mon essai à hausser le rythme. On se prend facilement au jeu. Comme quoi on peut avoir des hybrides rechargeables qui sont fun. Là encore une fois,
Quand je vous dis que c'est fun, c'est par rapport à ce que j'ai vu chez certaines de ses concurrentes. Hein. C'est pas une voiture de sport pour autant, mais elle est plaisante à conduire, et notamment sur des petites routes départementales comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer. Donc un bilan sur la partie de l'essai routier que je trouve bien, tant sur l'insonorisation, le confort des sièges, les aides à la conduite qui apportent beaucoup de sécurité, mais aussi sur ce comportement routier plus axé vers le dynamisme que le confort. Ça c'est clair, mais personnellement j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi vous aimez sur des compacts avoir un comportement routier dynamique. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Opel Astra. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur, notamment sur les contreports, des plastiques durs, ça c'est dommage. Il y a un coffre qui est amputé sur les versions hybrides rechargeables de 70 litres. On a une habitabilité, notamment pour les grands gabarits comme moi, un petit peu limitée sur les places arrière seulement. Et il n'y a pas encore de version 100% électrique. Il faudra attendre le milieu de l'année 2023. Parmi ses qualités, alors déjà le look, autant je n'aimais pas l'ancienne génération de l'Opel Astra, autant celle-ci, on ne peut pas dire le contraire, est plutôt sexy, notamment la face avant. On a des sièges avec la technologie AGR qui sont très confortables, une bonne insonorisation, même sur des chaussées dégradées. On a un rapport moteur-châssis qui est selon moi parfait pour la philosophie de la voiture. On a aussi beaucoup d'innovations technologiques comme les projecteurs avant avec l'Intellilux LED Pixel Light et aussi la dalle numérique Pure Panel Pro qui est entièrement personnalisable et qui amène une facilité à la lecture des informations qui, je dois vous l'avouer, dans cette catégorie de voitures, je tiens à le préciser, est assez rare. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que cette nouvelle Astra, elle a des chances de s'imposer dans la catégorie ultra concurrentielle des compacts? Alors, il y a, selon moi, quatre critères à prendre en compte. Le premier, ça va être le design. Si je la compare à la Renault Mégane E-Tech, la Golf de Volkswagen et aussi la Seat Leon, commence à accuser quelques années, c'est vrai que l'Opel Astra a un design qui est plus au goût du jour, ça c'est clair. Elle est au même niveau que la nouvelle Peugeot 308, que la nouvelle DS4. Le deuxième critère à prendre en compte, ça va être l'autonomie. Elle a 66 km en hybride rechargeable, donc c'est mieux que la Mégane de chez Renault qui a 50 km en 100% électrique. C'est la même fourchette que la 308 et DS4, en revanche c'est moins bien de 10 km que la Golf classée Seat Leon. Sur sa puissance et ses performances, 180 chevaux, bon, équivalent bien sûr à la Peugeot 308, la DS4 elle a 225 chevaux, alors il y a une version de 125 chevaux qui va arriver sur l'Opel Astra, la Renault Mégane elle, elle a 160 chevaux, en revanche les Seat Leon et Golf elles ont 204 chevaux, donc là on va dire qu'elle est un petit peu sur la fourchette basse en termes de puissance, elle se rattrape sur les performances. Clairement, moi, elle m'a étonné sur sa vivacité et sa réactivité, malgré ses 180 chevaux. Elle est clairement aussi vive et réactive qu'une Golf ou qu'une Seat Leon, donc ça, c'est plutôt un bon point pour elle. Et enfin, sur son prix, alors sur son prix, ça, c'est la bonne nouvelle, elle est dans la fourchette la plus attractive, puisque c'est pas la moins chère, à quelques centaines d'euros près, la Mégane E-Tech et la Seat Leon sont un tout petit peu moins chers que l'Opel Astra. En revanche, l'Opel Astra est moins cher que la 308, la DS4, que la Golf également. Donc quand on prend en compte ces quatre critères, sur son prix, elle est très bien placée. Sur l'autonomie, on va dire qu'en 100% électrique, elle est dans la moyenne. Sur son design, elle est clairement au goût du jour et elle se place dans le trio de tête, on va dire. Et sur ses performances, malgré une puissance qui est plutôt en bas de fourchette, elle a quand même des performances et surtout un comportement routier qui se place parmi les meilleurs de sa catégorie. Est-ce que c'est l'Opel Astra qui va spotter la première place du podium? On est quand même dans une catégorie qui est ultra concurrentielle. Il y a même d'autres compacts hein, comme l'Audi A3, mais là on est sur des gammes de prix qui sont nettement plus élevées. Ce qui va faire la différence selon moi avec l'Opel Astra, c'est son design, ses innovations technologiques, son autonomie qui est quand même assez bonne, et bien sûr son prix.
Après, ce sera à vous de choisir. C'est une catégorie de véhicules qui est quand même extrêmement recherchée. Et souvent, dans cette catégorie, ce que les gens recherchent, c'est le design. Donc, c'est très subjectif. Est-ce que vous aimez ce design ou est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous serez prêt à mettre quelques milliers d'euros supplémentaires pour avoir le design d'une autre marque? Ça, ce sera à vous de choisir. En tout cas, elle semble quand même cocher toutes les cases pour arriver à faire du mal aux références du segment. De toute façon, il n'y aura que les chiffres de vente qui me donneront raison ou tort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez que cette nouvelle Opel Astra a ses chances d'être parmi les meilleures ventes de la catégorie des compacts. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif, donc abonnez-vous à mes comptes TikTok, le vendeur automobile. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par l'offre en location longue durée dont je vous ai parlé en début de vidéo, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous remplissez le formulaire jusqu'au bout. Il y a 1300 euros d'équipement offert que je vous ai négocié, donc profitez-en, ce sera seulement pour les 200 premières personnes. Je vous dis à la semaine prochaine les amis, allez ciao.